Salut, salut, c'est Bob. Bon, j'ai fait de la place. J'ai viré les soucoupes, sous-pots, même, dans lequel j'espérais toujours que germasse ce que j'avais pu y semer. Il y a fort fort longtemps. Force m'est de réaliser que cela n'arrivera pas. Et j'ai besoin de place parce que par contre, ce qui a pris, ici ce sont les poivriers de Xichuan, bah, je vais avoir besoin de place pour les mettre en godet. Je ne peux pas les laisser indéfiniment dans ces gamelles, comme là le sorbier domestique. Mince, je voulais regarder. Bon, plus tard. Je me rappelle plus pourquoi j'ai sélectionné cette plante, cet arbuste. Il y a forcément des raisons, c'est que ou c'est officinal, ou c'est comestible, ou les deux, hein, de toute façon. Bon, bref, j'ai presque fini. Donc voilà, je voulais vous montrer, parce que le système racinaire commence à être un, on est bien d'accord. Hop, ça fait une gamelle que je vais pouvoir virer encore. Du coup, tout le terreau qui était dans les soucoupes où rien n'a pris, bah, j'ai tout mis là-dedans, j'ai tout mélangé avec ce que j'avais déjà commencé à mélanger de terreau et puis de terre locale. On sait jamais, peut-être un truc qui finira par ressortir de là-dedans. Bon, ça, c'est juste une coquille d'escargot vide. Enfin, vide, pleine de terre, mais vide d'escargot. La terre ici est très pauvre en calcaire, du coup, je les laisse. Voilà. Bon. Puis après, je vais probablement m'attaquer aux poivriers. Mais les poivriers, comme j'en ai beaucoup, je vais probablement plutôt les faire en jardinière. Comme j'ai fait ici. Comme ça, ils s'habituent aussi au temps qu'il fait ici. Je viens de virer deux, trois trucs là-dedans. Bon, c'est après, chaque chose en son temps. Bon, ça pousse. Bon, allez, je termine ça. Avant que je ne vous reparle de ce que j'ai sur le cœur à cause de ces coupes qui arrivent de plus en plus près d'ici. Ce sera le sujet d'une autre vidéo.